rapide, simple, compact, la GoPro QS200 de Rizo est un système de fabrication d'écran par procédé numérique. Elle permet un enregistrement précis, une résolution fine et une taille d'image large de format A2, un gain de temps et une réduction de vos coûts de production. Vous avez la possibilité de charger des images dans la machine ultérieurement. Processus de fabrication d'écran. Préparation. Connectez votre câble USB et votre câble d'alimentation. Enregistrement de la taille du cadre. Sélectionnez le pilote GoPro QS200 dans périphérique et imprimante et ouvrez les propriétés du pilote de l'imprimante. Enregistrez la taille du cadre dans la fenêtre propriétés de l'imprimante. Entrez le nom du cadre et la taille du cadre extérieur, puis cliquez sur OK. Fabrication de l'écran. Installation du cadre. Placez l'écran tendu sur la QS200. Ajustez le bord du cadre à la plaque de guidage de l'écran. Vérifiez si les trois points de guidage touchent le bord du cadre. Fixez l'autre extrémité du cadre avec une cale. Mettre en route la machine. Réalisation de l'image à partir d'Adobe Illustrator. Allez dans Fichier et Impression. Allez dans Propriétés de l'imprimante et sélectionnez Taille du cadre. Cliquez sur OK pour envoyer les données de l'image. La fabrication de l'image est achevée et prête à imprimer. Astuce pratique. Fabrication d'images supplémentaires. Vous avez la possibilité d'ajouter des images sur une zone vide d'un écran déjà utilisé. Bloquez l'image déjà utilisée par une bande adhésive. Sur le logiciel, placez l'image sur une zone vide et effacez l'image déjà utilisée. La machine procède ensuite au traitement de l'image supplémentaire. Ainsi, la fabrication de l'image supplémentaire est achevée en dessous de celle déjà utilisée.